Stella, un jeu de iBox. Labs. Allez retweeter le message. Appuyez sur n'importe quelle touche. Je vais appuyer sur la croix à gauche. Ça marche pas, c'est pas vrai! C'est pas n'importe quelle touche! Pas vrai, les deux buttons là marchent pas. LB marche pas non plus. En fait, fallait appuyer sur un des quatre boutons. Non, pas une des touches. Quelque chose si tu le fais pas. Merci pour les retweets, mes chers amis. Bon. On était rendu là dans Stella. Pas s'aimer comme un avion, comme un petit bateau. Moi, je comprends pas Mixer, le monde, quand ceux qui n'ont pas de caméra. Faut vraiment. La Kinect vient plus avec, Avastar, hein. Cours, Simon! C'est là, en fait, en tout cas. Innocent. Ah, j'ai de comprendre ce que je posais faire. Tabarnage d'une tonne élan, tabarouette.
Ah par ouais, j'ai c'est du mauvais bord. Ah, la roche en haut, c'était là quand il était à l'heure. Ah ouais, je pensais que je sautais en bas, j'ai eu peur. Tabarnak, je vais me péter la jambe. L'autre, il s'en va. Il s'en va quand c'est le temps de m'aider. Tabarouette de Charlie. Ah, il va nourrir ta famille. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais, bon, je viens de comprendre, niaiseux. Ah, ça a peut-être fait partir les manses. C'est ça que ça fait peut-être. Petite musique. Ah, ils ont défait l'autre. L'autre tambour. Tabarnak, je peux pas aller par là, il y a un puzzle ici, là. Ah là! Là quoi?
Ah, parnac, aïe aïe. Hey, y'a quelque chose là qui était là-bas tout à l'heure. Fucking niaises-tu, toi, là? Ah, il y avait un flambeau là, hein, où il a tombé là, vraiment. C'est moi, c'est moi, c'est là. Là. Bon, celle le feu la protégeait. Ah, bon, cours, Stella, cours! God. Oh, tabarnache! Ils sont revenus eux autres. Allez, j'espère que vous allez bien. If you have a question about the game, let me know. Si vous avez des questions par rapport à ce super jeu, laissez-moi savoir.
J'en prends pas. C'est sûr que je fais pas bien. Tiens, en parlant du loup justement, de la louve, elle arrive. C'est bien. En tête, tu vas commencer à faire des lives avec des caméras là. À moins que ça t'intéresse pas de faire des lives par exemple, c'est une autre histoire. Quand quelqu'un fait des lives, faut une caméra. C'est la vie. Ouais. Ça, faut changer de pays. Ah, t'es con, caribou! Mais pourquoi je mettrais ça là? Ah, je viens de comprendre qu'est-ce que je dois faire. Sais-tu que ça coûte trop cher ou qu'il y en a juste pas disponible dans ta région? Excusez. Ah non! Oh, yes. Une décansante. D'accord. Ça, je dis, nous on est chanceux, même au Québec, ils ont même pas c'est pas partout qu'il y a de l'internet qui fait du sens. Quand tu vas dans une ville, normalement, oh oui. Dans une ville. Puis ma province a déjà choisi de mettre l'internet tabarouette à haute vitesse partout. Partout dans la province. Question indiscrète, t'as quel âge? Ah non, refiou! Stick, j'ai peur encore, je suis con! Ah, ben ouais. Rien. Si bon, la musique m'a fait peur! C'est qu'elle a changé vite! Ah, oh, que c'est beau, ce jeu-là! Je trouve que ça remplace bien le jeu qu'on vient de terminer, excuse. Farlone? Farlone Tear, je trouve que ça le remplace bien. Oh, Stella! Stella! Stella, cours! Cours, Stella! Cours! Ta-da-da-da-da-da!
Oh, liste, t'es là. Et le narrateur fut déçu de son héroïne. Je viens de comprendre ce qu'il faut faire. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, ouvre ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor. Tu retrouves la chaleur des cités d'or. Wouhou, fait chaud. Saviez-vous que les cités d'or, il y a 3 saisons jusqu'à présent. Première saison, et c'est pareil, ils n'ont pas rien changé au niveau des dessins animés. Ils ont fait les personnages identiques. Ils n'ont pas fait en 3D rien, ils ont fait identique. Les voix sont identiques. Et voilà. Histoire, la deuxième se propulse en Chine. Et la troisième, je me rappelle plus. J'ai écouté des parties de la deuxième, c'était intéressant là, mais. Moi, j'ai toujours le temps dit. Il fallait en profiter, puis ça va revenir de nouveau parce que tout de suite, c'est pas la mode. C'est pas le temps de sortir ces films-là. Mais dans le temps des Lord of the Ring, et le temps, dans le temps que c'était populaire les trilogies, oui, c'était pas mal, le dessin animé, ça fait ma génération quand même. J'ai jamais écouté Albator, par exemple. Et ça, Albator, moi, c'était la génération de mon père. Ça, je vois plus à la télé pour moi, là, c'est tout. Moi, Goldorak joue encore des fois. C'est quand même la génération de mon père. Donc, en revenant à mes moutons, qu'est-ce que je parlais? Shit. Ah, oui! Dans le temps des trilogies et tout ça, c'était le temps de sortir un film, une trilogie sur les Cités d'Or. Il n'y aurait jamais eu meilleur moment. Le premier film, le début, évidemment, on connaît toute la série, mais qui termine à la quand tu trouves le bateau. Pow! Le deuxième, c'est le Condor. Ou plutôt même, tu peux même terminer l'aventure du bateau. Ah non, c'est vrai, là, parce que en tout cas, je me rappelle plus dans ce temps-là, je l'avais pas mal planifié. Qu'est-ce qui aurait été, en plus, qui aurait été le... Puis il y a des batailles de malades mentales. En plus, à la fin, c'est que dans, tu sais, les deuxièmes films, ça peut être les batailles contre les Espagnols. Mais à la fin, c'est vraiment les batailles, les Mayas, contre les Olmecs. Et ça aurait été malade mental. Je peux même pas imaginer comment ça aurait pu être beau. Là. Antonio Banderas. C'est lui qui aurait fait Mando... Tabarnane. C'est lui qui aurait fait Mendoza. Connaissez-vous Antonio Banderas? Lui qui faisait Chaboté. En animation. La voix chabotée là, mais Antonio Banderas, c'est lui qui a été popularisé avec Zorro. C'est un espagnol là. Espagnol mais mexicain. Un mexicain. Un espagnol. Il est pas espagnol du tout. Il parle espagnol. Mélangeant ces affaires là. Tu niaises! Non, non, l'autre sens! L'autre sens!
Antonio Banderas, il vient de l'Espagne? C'est pas mexicain? Encore mieux comme ça. Ah, je viens de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Almodovar qu'il a. Je connais pas ça par exemple. Peut-être trop vieux pour ça. Trop jeune. Moi, je l'ai connu dans Zoro en premier, là. Après ça, le reste. Dans Sky, es-tu pas dans, était dans Sky Kid ou qui? Ou qui? Était dans Sky Kid ou qui? Était dans Sky Kid, je pense aussi. Mais Sky Kid, j'écoutais pas vraiment ça. J'écoutais peut-être le premier, là, je commençais. Peut-être j'étais Wabi en 3D, parce que le 3D commençait à être populaire dans ce temps-là. C'était les débuts du 3D. Peut-être pour ça que j'étais voir Sky Kid, parce que. Tiens! Oh non, non, attends, attends! Il a mangé. Je pensais que je fais tomber sa tête. Il vient de pogner une volée là. Oh. Mais je pense qu'un film Les Cités d'Or, là, ça aurait été fou là-dedans. Parce qu'il y avait des belles batailles. Je pense qu'on était. En plus, qu'on était pas mal dans ce mood-là. Tout de suite, ça serait pas le temps de sortir ça. C'est pas le temps tout. Pour le moment, on est trop super-héros. Trop au niveau des histoires. Mais ça pour... mais le monde était quand même Game of Thrones, ça dépend. Mais je sais pas qui connaît les Cités d'Or, c'est pour ça l'affaire est aussi. Et les Cités d'Or, oui, ça marche pour les francophones, mais c'est une affaire de francophones, c'est une histoire d'Européens. T'sais, les Anglais connaissent tout ça. Quand je parle des Anglais, je parle tous les Américains, les Anglais du Canada. Ils connaissent tout ça, je sais pas. On l'a pas. On l'a pas! Non! Oh my fucking colic de goddamn! Ma mort! Ouais, mais tu as trois sortes, t'as les t'as pas les Aztecs. Ah, etc. Oui, c'est ça, oui. Les Mayas, les Aztecs, il y en manque un. Il aurait surtout dû le sortir avant 2012. Donc les Aztecs, les Mayas et les... Ok. Inca. Pays Inca.
percouter le ciel. Ça, les jeux comme ça qui met des l'effort sur les beaux paysages en arrière. T'as comme pas le choix non plus. Comment beau. Fondeur du décor. C'est la plus belle chez toi. Hashtag je suis dans la marde, hein? Où je vais par là, non? Non, je vais par là, je vais débarrer, je pense. Tu vas courir, quand tu vas sauter si tu fais ça. Champion. Ah, coco fragile a réussi. Merci d'aller retweeter, mes chers amis, s'il vous plaît.
Pourquoi j'amènerais quelque chose là? Qu'est-ce que je peux poser une menthe en haut? Ah, ok, ouais. Ok, je comprends. Je l'ai dit. Tu écoutais pas? Je l'ai dit parce que, rappelle-toi, il dit... Dans la cité... Bienvenue dans les profondeurs des cités Inca. Et 2 heures après lui. 2 heures après la réponse. Ah c'est vrai, faut que je l'envoie à l'autre bord. Prends ça de nouveau. Eh hein, tabarnan. Ah. Un. Et deux. Et dans bien ingénieux, cette femme-là, c'était là. Je pense qu'elle a pas Robin avec elle. Robin, c'était là, serait fou. Robin Stella, en fait, c'était une histoire pour... C'était un mini-téléroman pour enfants et adolescents. Et t'avais Robin, les aventures de Robin et Stella, mais Robin était fait par une femme aussi. Ça a traumatisé bien des jeunes lorsqu'ils ont su que plus vieux... Quand ils ont su plus vieux que Robin était joué par une femme. Non, Stella, excuse, c'est Stella qui était la femme. Deux hommes... Robin, attends. T'avais Robin et Stella, c'est ça. Robin était un homme. C'était une fille. Tout le monde, c'était deux filles. C'est le problème. Il y a une fille qui joue un gars. Ben, Colin! Maman! Tabarnage! off sur les jeux. Pas les jeux, mais plutôt les produits 704 de course. Bon. Trop sûr qu'est-ce qu'il faut faire. Là. Je viens de faire ça, ça marchait pas. Là. Comment ça se trouve? Pourquoi c'est un... Ah, tabarnak peut-être, ouais. Shit! Shit! Non, c'est raison! Non, saute, maudite nounoune! Maudite Stella.
Caribou! Saut! Ah, merci, Gwen, de trouver. Dedans, mais là-dedans! Ok, laissez tomber. Pas laisse tomber. Incroyable. Faut pas monter avec ça dans tes mains. Et j'ai deux boutons, j'arrive pas à m'en démêler. J'ai vu sauter qui saute pas. Et lui mettre le bouton qui marche pas. L'amener au bout. La réponse aussi. Là, j'arrive. Ah. Le refaire de nouveau. Et la bonne musique recommence. Pour la jolie Stella. Regardez-moi ce déhanchement. Quand on est en amour. Ouais, Stella, wake up. Pareil, moi j'aurais pas sauté haut de main maintenant. Je me pète une jambe à un moment donné, il t'avouerait des dégâts. Elle fait un peu plus vite que moi, là, ça c'est. Il y a déjà 44 minutes qu'on expérimente ce jeu pour une deuxième fois, c'est fantastique. Allez, termine ce tableau pour ensuite aller sur un autre jeu fantastique. Ah mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Cours, Stella! Ouf, t'es pas mal à la traîne, ma belle. Qu'est-ce que tu joues, toi, Gwen? Tu joues-tu à quelque chose? Charlie a dit aujourd'hui qu'elle allait jouer à Rayman. Le jeu qui est sorti de Xbox. Impact. Vas-y, tabarouette! Ferme la porte! Ferme la porte! Tabarouette! Non, 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 non! Ferme, 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 ferme! Yeah.
tabarnak! Du boisson! Ah, je viens de comprendre ce que je devais faire. Allez, caribou niaiseux! Ah. Non! Ah là! Ah, décaliste! Toi. Non, si tu l'as pété. Le mécanisme. T'es là! Qu'est-ce que tu fais, ma... Oh, Colin! T'es là, cours! Cours, poupoune! Oh, mon Dieu! Oh, my God! Ce jeu va me faire mourir. Ce jeu va me faire mourir. J'ai les mêmes moites comme un hot dog. Dis-moi. Fais pas Sam quand tu vas. Trouve pas Sam que ce jeu-là remplace bien. C'est un jeu qu'on va terminer, je pense. Qu'on va vouloir terminer, qu'on va travailler pour terminer. Mais je trouve que c'est un jeu qui remplace bien le jeu qu'on a terminé avec le véhicule. Avec l'essence, le bois. Un peu plus de stress, par exemple. Mais la dernière fois, je commençais à stresser avec le jeu parce que... Ah, je trouvais pas le puzzle, j'arrivais pas à comprendre. Parce que mon cerveau a pensé autrement, puis il a réussi, mais... Ouais. Même style d'ambiance, mais pas le même style de jeu du tout. T'es dedans, toi! Même style d'ambiance au niveau de l'interaction et surtout au niveau du... La musique est importante. Certains mécanismes qui vont arriver que t'as pas vraiment de contrôle. Comme là-dedans, ça serait que tu cours en ligne... Ben, t'as un contrôle, mais tu dois juste courir en ligne droite à certains moments. Et faire les bonnes actions. Après... Et l'action là-dedans, ce que tu fais surtout, là, comparativement, c'est l'action là-dedans, c'est tu cours et tu bouges. Et tu dois résoudre des mini-puzzles. Comparativement à l'autre, c'est un véhicule que tu dois faire avancer. Non, si tu veux uniquement une personne. C'est bon. Pendant une espèce... Ah, qu'elle passe en l'air. Ah, tu peux aller par là, tu vas te faire taper par les chauves-souris. Tu peux reculer. Vers l'avant. Oh, non.
Je pense que c'est l'autre bord où je les mette. À moins que j'ai quelque chose à ramener. Il va falloir que je vais voir. Vraiment qu'il faut que j'achète une pierre. On va voir. Salut, Mihai. Comment ça va? What's up? Salut, Scali Mignonne. Comment tu vas? Naufragé numéro 12. Ah! Ouais, j'ai une idée qu'est-ce qu'il faudrait. Moi, j'aurais envie de faire. À moins que ça bloque à la neige. Ça ne bloque pas la neige. Oh! Caribou, que tu es intelligent! Tu es un QI supérieur à Charlie Nini. Ouais, il y a deux, c'est facile. J'ai trois. Comme il était. Est belle la petite femelle. Ressemble à ta mère, mais la tête en elle. Ah, ah. La manette vibre. Salut Monsieur Q, salut Monsieur Q. Hyphix, Lure, Wenvy, Terran, Destiny, Ellie, Fanatic, Flyboy, Frantic Coyote, Frenzy Earth, Ghostos, Host, Fresh, Jacob Killjoy, Dansette Sop, My Magic Bird, Happy Low, Monsieur Lowe's, Rockstar, Wheaties, Specti Chitan, The Notorious, The Adagio, Tosta, Wild Event, Windex, on n'a pas vu faire un million d'années, Bull Bitch, Raver Soul, King Joker et Audi, bienvenue à la tribu du Caribou Canada, mes chers amis, ça fait super plaisir, avec vos présences, votre présence, si censure. T'en vas par chez nous et tu aimes les frites. T'aimes les frites. On ne peut plus revenir vers l'arrière. C'est terminé pour nous. On s'en va vers l'avant. Moi j'ai tellement envie de manger des cornichons. Moi, le fion tabarnak. Viens, ce truc-là. Faut se faciliter le point com. Bungé, mon ami lapin! Ah, je viens de comprendre, faut le suivre après, lapin crétin.
Alléluia. Et voici comment termine la dernière aventure de Stella. À demain.